Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de The Technomancer, un jeu édité par Focus Home Interactive, développé par Spiders. La sortie française, c'est le 28 juin 2016. Le type, c'est un jeu de RPG action, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Le thème, c'est extraterrestre. Nous sommes sur PlayStation 4, c'est également disponible sur PC, PS4 et sur la Xbox One. Et puis voilà, j'ai pas autre chose à vous dire, on va commencer direct. Si vous voulez peut-être plus de vidéos ou des lives dessus, bah ce sera fait avec grand plaisir sur Twitch, et puis on est parti. At the source of all life, there is water. On Mars, where it is rare, water is a source of conflict, struggle, and death. Since the turmoil, there have been unending wars, fought over the possession of clean water. We are the forgotten children of Earth, trapped in this red, barren wasteland. Here, hell is not a concept. It's our reality. And the reality is that every drop counts. Then there were the unfortunates, caught in the full power of the sun's radiation, forced to deform, mutate into unrecognizable monsters. The others, the ones who remained similar to our ancestors in likeness, hid under massive metal shells, governed by water corporations. But in the slums, people's lives aren't worth much more than the mutants. And I would know. That's where I spent the first 10 years of my life, under the boot of the Vori. Of course, in despair, there is hope. Some have begun to explore, travel even, from corporation to corporation, leaving their loyalties behind. We have organization, structure, and inevitably, politics. We have rulers, a people's assembly, and far removed from us, the Dowser, the inaccessible face of abundance. And finally, there's us, the elite protectors of the people, the spearhead of the army, my brothers and sisters who all share the same special gift. We are Technomancers. Ah, petite personnalisation, je m'y attendais pas du tout, donc c'est cool. Alors, au niveau du visage. Ouais. D'accord, là on a fait le tour. Du coup, on va choisir. Il y avait un qui me plaisait plutôt bien, c'était. Attendez. Alors, on va prendre lui. Couleur de peau. On va le laisser comme cela. Les cheveux. Hop, attendez. Attends, on va lui mettre une petite coupe à la jeunes. Voilà. C'est vrai que maintenant tous les jeunes, tout le monde a une coupe comme ça. Moi je peux pas parce que j'ai pas de cheveux. Couleur de cheveux. Ah, comme ça fait bien. Ouais, ça fait le mec qui sait. Tu sais pas trop s'il est avec toi. Tu sais pas trop si tu peux lui faire confiance. Couleur des yeux, voilà, plutôt clair. Ça lui va bien. Ensuite, hop, le talent. Débloque l'interaction, science de niveau 1, 1, 1, ok. Du charisme, artisanat, exploration, piège, furtivité. Donc on va prendre la science. Voilà. Et on continue. La force améliore la puissance des attaques au corps à corps. Sacrifice majeur pour un guerrier. Bah ouais, moi je préfère avoir de la puissance, l'agilité, ok. Le pouvoir ou la constitution, c'est bien ça. Donc je vais plutôt prendre la force. Vous terminez la création de votre personnage. Ouais, voilà. Il est marqué par l'époque, c'est plutôt cool. Ahoy, Zachariah. Scott, you came. Wouldn't miss it for the world. Sure, my memory isn't what it... But I remember to write things down on my calendar. Though I do sometimes forget where my calendar... Anyhow, I knew your last cadet mission was today. Any nerves? If it's any consolation, you look more than fit enough. No, I'm good. I'm ready. Mm-hmm. Yes, healthy flush of the skin, no rapid eye movement. You don't look stressed out. Very well, I won't bother you anymore. Oh, but if I can bother you, just a moment. I recently acquired a batch of materials. Improve your gear. It's not much, but I thought
you'd like it. Can't still can't believe you're going to be an officer soon. Yeah, me too. Thanks, Scott. Means a lot. Ah. I fear we've dilly-dallied on pleasantries. Your master, Sean, waits for you in the courtyard. So stiff, that one. I fear his spine is concocted from steel. A spine prosthetic. How interesting. What if... Oh, and stop by the clinic and come shoot the chit-chat. No, no, that's not... Just don't be a stranger. If you feel ill or need a hand, come see me. I'm always glad to help. Good luck, my boy. Thank you, Scott. Will do. I promise. On est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut rien faire avec. Sortir du dortoir. Très bien. Voilà. Je fais exprès qu'il ait des petites cicatrices au niveau du visage. Et là, j'aime bien comme il est, en fait. Ça fait, on va dire, homme du futur, si on peut dire ça comme ça. Bonjour. Est-ce qu'on peut discuter? A voir, non. Voilà, tout le monde, on va quitter le dortoir. Voilà. C'est ce que je vous ai proposé. Zachariah, today, as you know, marks your final mission as a cadet. I trust you are prepared. Of course, Master. Ready, willing, and able. And a little nervous. Normal and expected. That's why I have gathered together your usual instructors to allow you to warm up and prepare. It's for you to ace the tests for each fighting technique. Prepare yourself. And once you are ready, join me at the station. From there, a train will take us to the mission site. Thank you, Master. Ok, bah je veux bien m'entraîner, si ça vous dérange pas. C'est optionnel, mais j'ai envie quand même. Si vous voulez pratiquer vos technomancy techniques ou faire du staff training, j'ai le temps. Entraîner au bâton. Excellent. Alors, R1, plus carré, sortir le bâton. R3 verrouillé et attaquer. Voilà. Rien de bien compliqué. Voilà, appuyez sur rond pour esquiver. Voilà, ça c'est une sorte de contre. Attaque de zone. Ok, attaque fort du coup. Allez, calme-toi. Et R1 plus 3. D'accord, ça n'a pas l'air bien compliqué pour l'instant. Mais il faut surtout s'en rappeler. Je pense que je m'en rappellerai au fil du jeu. Parce que moi, quand on met trop d'accumulation d'infos, c'est un peu compliqué. Indeed. Remember to attend to your surcharge risk. I would hate to have an accident. Alors, les pouvoirs technomantes peuvent être utilisés avec n'importe quel style de combat. Certains effets permanents occupent une charge de fluide tant qu'ils ne sont pas désactivés. D'accord, j'ai pas le temps de lire la suite, merci. L2 carré. Ok. Pour utiliser... Ok. D'accord. Je vais utiliser l'arc. Eh, calme-toi! Attends, laisse-moi esquiver s'il te plaît. Voilà, donc on est déjà sorti de combat. En fait, comme j'ai dit, hop, t'esquives, il se passe nickel, bah voilà. Enguiné. Je mets du temps à comprendre toutes tes touches. Pas évident. Bah voilà, on a fait ce qu'on avait à faire avec lui. Merci beaucoup pour l'entraînement. Of course. Keep in mind, a well-trained staff can be quite formidable. And as you know, the control over our technomancy is what makes us unique. Ensuite, nous avons lui, parle au soldat. Sure, why not? That's the spirit.
Here we go. Allez, on est parti. Alors, R1 et rond cette fois-ci, d'accord. Ok, la garde au bouclier. Le coup de masse. Bon, pour esquiver, voilà, comme d'hab. Coup de bouclier, triangle. D'accord, donc là, faut être hors d'état de nuire. Tranquille, et arrête d'esquiver, là. Ah, mais oh. D'accord, faut vraiment... Eh, j'ai tapé. Faut pas qu'il me fasse du mal. Ah, mais oh. D'accord, qu'on guélé. Maybe later. Your call. You're gonna wish you had some good defensive training, though, when you find yourself in trouble. Alors, tu es le prochain, mon ami. Want to test your skills with a knife and a gun? Not really in the rule book. So if you do, oh, je suis pas contre. Attaque à distance, pistolet, c'est intéressant. All right. Alors, R1 et triangle. C'est toujours la même chose, donc c'est plutôt cool. Attaque. C'est fait. Rond, toujours l'esquive. Au moins, c'est simple. Ah. On s'en refait comme il fallait. Tire au pistolet. D'accord, en même temps, il faut que je... lock. Ça fait mal ? Ça fait mal ? Allez, voilà, on m'a surchauffé. On va le finir comme ça. Nickel. R1 croix. Ah ouais, c'est... En fait, le système, il se ressemble pour toutes les techniques. Donc, c'est plutôt intéressant. Don't underestimate stealth techniques, or how much faster you can be in combat with light weapons. Du coup, on a tout fait, voilà. On peut aller voir hey, ce soldat. From Captain Sean, you're heading out to the station. You leaving now? Oui, je pars maintenant. Bah, j'ai fait tout mon entraînement, donc tout va bien. Space. Am I right? A rogue is a rogue is a Zack, right? You can dress him up, but... Zachariah, we're leaving. Certain people are graduating to the rank of officer today. It does you well to serve only contempt to one worthy of nothing more. That is good. And with that, we should be off. C'est quand même joli, hein. Ils ont fait un bel univers. Look, Zach, we are heading for the dome. It was built by the first settlers, a relic itself. And what's there for us? According to reports, looters, who in our interest, it would be best to keep out of the dome. Allez, on y va. On peut courir un peu plus vite avec Croix. T'inquiète, t'inquiète. Je te suis. Zachariah. Do you remember your first lesson? On the scarcity of life? Indeed, the very one. Kill a fellow unfortunate and, in this hell, only the more alone we will become. Disable the looters, but spare their lives. Ok. Tabasser, mais pas tuer. Voilà. D'ailleurs, tabasser, c'est le mot magique de cette vidéo. Oh, bah bonjour, toi. Oh. On se calme. Oula oula. Laissez mon sensei tranquille.
Parce que... Attends, est-ce que je peux faire la tête de groupe? Ah non, ok, je fais l'arme au pistolet. Très bien. Esquive. Et on l'a fini. Je sais que c'est pas forcément bien de taper les femmes, mais bon. Vous avez mis KO un ennemi hors de combat, il n'est pas mort. Si vous souhaitez l'achever, il faut le drainer. Rappelez-vous cependant que la vie est précieuse. Non, non, je vais pas le drainer. Attendez. Oui, voilà. Je vais juste le fouiller. Soyons pas méchants. Est-ce que là aussi drainant. On y va. Je ne tuerai personne. Ils font ça pour quoi, à votre avis? Ils font ça pour survivre? Ils n'ont pas d'autres moyens? Et je suis sûr que il y a un truc qui fait que quelque chose c'est pas bien, quelque chose se passe mal. Et on m'a changé de camp. Je suis sûr. Du coup, bah j'évite de tuer mes futurs alliés. Voilà. Hop, assez fait. Oups. Tirer dans le vide. Alors là, on va encore fouiller. Nickel. Et là, pareil. Après, c'est la voie que vous choisissez, hein. Je sais pas si... Enfin, généralement, je suis méchant. Généralement, j'aurais dû être méchant, mais dans le jeu, j'ai envie d'être gentil. Rocky outcrop. Scale it and report back your findings. Donc on va fouiller par là aussi, hein. D'ailleurs, désolé, ça a été petit bruit de scooter, de voiture, etc. On est en période de canicule en ce moment. Du coup, bah, je suis obligé de laisser mon balcon ouvert. Sinon, je vais avoir super chaud. Du coup, bah, des fois, bah, vu qu'il est assez tard, il est 2h30 du matin, ça va. J'ai fait exprès de jouer un petit peu tard. Mais, c'est des petits bruits de voiture et tout, bah, je m'excuse. Hop. Franchement, le jeu, il est... j'aime bien. Après, bah, vous savez que je suis passionné par tout ce qui est astronomie, espace, tout ça, là. Et du coup, bah, dire qu'on est sur Mars et tout, voilà. Bah, ça le fait plutôt bien. Est-ce qu'on peut à l'intérieur? Non. Voilà, ça a l'air chelou, ça. En fait, je pensais pouvoir faire une attaque spéciale, mais non. Enfin, je me débrouille bien en combat là, je trouve. J'adopte toujours le même style de combat parce que bah, il est bien celui-là. D'accord, il faut redire son point, faire son rapport. Allez, on y va. D'ailleurs, peut-être que ce sera le futur, ça. Peut-être qu'on ira tous vivre sur Mars et il restera très peu de personnes. Voilà. Il y a des looters gathered at the dome's entrance, a lot of them, but they're not equipped to be more than a nuisance. Take care nonetheless, Zachariah. That guard there, separated from his group. Sneak on him and the battle will be easily won. Alors. On va y aller, je vérifie le temps, y'a rien. Hop. Alors. Passons en position furtive, voilà. Attaquer furtivement avec croix. Voilà, c'est ça que je voulais tester tout à l'heure. Ouais, ça lui pète la moitié, disons. En fait, ce qui est bien dans un sens, c'est que dès que vous éloignez d'un ennemi et que vous rejoignez un autre, bah, ça déloupe quelqu'un et ça relouque un autre, mais bon. Là, j'ai changé le type d'arme, vous pouvez le voir, là, c'est plutôt une arme un peu plus longue. Voilà. On va quand même vous montrer quelque chose de différent. Attention! Oh, bien joué! Merci, Sensei! Allez. Et on l'a fini. Ah, dommage, on s'est fait toucher. Alors, niveau supérieur. Alors, j'ai pas été voir. Dans les compétences. Ah, c'est vraiment. On peut pas aller dans la phase guerrier. Hop là. Faut bien commencer par quelque part. Tout à fait. Et à voir
Il y a beaucoup de choses à faire. Allez, on les fouille tous. Attendez. Résistante au poison. Bah, allez. Voilà. On va tout prendre, mais on l'équipe pas. On a quelque chose pour moi? Non. Allez, on y va. Oh bah, je voulais faire furtif. Mais je me suis fait griller, pas grave. Et on se calme, les enfants. Hop là, petite esquive. Franchement, le système de combat, j'adore. Hein. Le système de combat, il est simple, mais il est assez fluide, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un jeu que j'ai fait il y a un moment, qui avait le même style. Je me demande si c'était pas Focus qu'il avait fait aussi. Je me souviens plus du nom, mais quand je vois les esquives que je mets, ça me fait penser à ça. Ah, peut-être que je le trompe. Mais on se calme. Vous êtes fiers de moi ou pas pour l'instant là? Je parle là au sensei, bien entendu. Bon, on va lui parler pour voir. Plus 16, hein. Est-ce que c'est par ici? Bizarrement, je me dis que ça peut être par là. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ah, je t'ai pas vu, toi. Bonjour. D'accord. Tu joues à cache-cache? Sensei, on a besoin de vous. Please. Voilà, on contre. Petit coup de pied pour déstabiliser. Et on finit avec la super attaque. On peut faire ça comme ça. Voilà. Ensuite. On peut rengainer, non? Voilà. Ah non, d'accord. Alors, en fait, j'ai changé. Super Coty. Ok, il veut rien récupérer là, par contre. Ah non, il en restait un. Oh là là, j'ai pas vu. Excusez-moi. Je me disais, mais pourquoi il voulait pas vérifier? Je suis désolé. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien aussi. Non, on va passer par là, je pense que c'est beaucoup plus simple. Alors, là, faut plutôt que je choisisse lui. Ah, il veut pas... Ouais, en fait, oui, je voulais lock et tout. Tirer avec mon pistolet. Ah mais là le sensei il a presque plus de vie. Calmez-vous. On ne touche pas au grand patron. Aïe. Ça picote, ça, ça picote, ça picote, ça picote, ça picote. Merci. Ok, je vais changer. Voilà, allez. Calme-toi. Ça c'est fait. J'ai dit, on ne touche pas. Merci. On est passé niveau 3, c'est plutôt cool. Ah, lui il a une arme. On va pas te laisser tirer. On tourne au début du jeu, donc c'est normal qu'ils tirent pas, je pense. Ils sont là pour nous apprendre des choses. Allez, laissez-moi tout prendre, tranquille. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on récupère notre énergie à chaque fois de combat. Alors, c'est par là. Est-ce qu'on peut prendre son arme, peut-être? Non. En fait, là, je draine personne, en fait. Je tue personne, peut-être parce que c'est la mission de test. Après, peut-être que je le ferai, je sais pas.
Oh bah salut vous. Hop là. Ok, ils sont moins résistants, mais c'est pour ça qu'ils nous ont proposé tout à l'heure de changer avec tout ce qui est poison. Oups. Faut peut-être que ces bestioles, ça peut nous faire ça. What do you mean? Am I not ready? No, you're ready, Zachariah. With that, there is no doubt. I worry about you and care for your happiness. Once you become this door, it is the same as that in our chapel, accessible only to the combined energies of two technomancers. Ouais, c'est vraiment, on dirait genre la grande bibliothèque qui retient, enfin, qui a tout notre prestige, tout notre passé, etc. Oh, bah, comme des ennemis ici. D'accord. Je pensais qu'on était là pour s'amuser. Alors qu'on était là en vacances. Peut-être pas du tout. En vacances, mais bien sûr. Oh! Il est un peu plus gros lui. J'ai dit. Voilà, c'est pour ça que je vais attaquer le plus gros, mais le système de lock, il lock automatiquement l'ennemi le plus proche. Toi, tu fais beaucoup de bruit, mais tu fais pas grand chose au final. Hein. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose sur lui? Non. Allez, on continue notre route. Bonjour. C'est bien qu'il dégaine et rengaine assez rapidement. Ah. On est là, enfin. The subject appears acclimatized, pulse elevated but steady, unaffected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great! So alive! My heart's racing, and I feel like I take on the world. And I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject's self-report is consistent and substantiated with our measurements of healing other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to the mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers, speaks of the first technomancers. Shocking, perhaps. Where did you think our abilities came from? A divine power? I don't, but we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us, unifies the technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well. So have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now, more so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged, for we will no longer be able to hold initiation trials here.
Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so they must have reached lower in the dome. Then that's where we must go. I will divert the attention of these creatures. At the base of the dome, he will find the entry point. Et niveau 4. Vous savez quoi, les petits loups? On va s'arrêter là pour la vidéo découverte. On en a à peu près à 30 minutes de vidéo. Je pense que c'est bien, on a pu voir la personnalisation, un petit peu d'histoire, du combat. Donc je pense que voilà, pour une découverte, c'est plutôt sympa. Moi, personnellement, j'aurais aimé continuer pour savoir la suite. Vraiment, voilà, même si ça fait une heure, c'est pas grave. Mais je sais que pour YouTube, voilà, faut que ce soit assez court, même si 30 minutes, c'est plutôt long. Si vous avez passé un bon petit moment, vous pouvez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine, partez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut!
Ah!